gagne trois objectifs qui viennent faire atteindre ça. D'abord, c'est permettre aux journalistes d'échanger opinions sur la question de l'homme, entre les pays, sur la situation de l'homme, pour ne pas seulement considérer comme celle, comme les gens qui les informations seulement, mais eux-mêmes, ils ont des opinions personnelles, comme citoyens, comme citoyennes, mais là, information c'est yon, mais partager, échanger, dire compréhension sur ça, sont l'autre élément pour eux-mêmes, ils sont capables d'acter tout dans la question. Mon deuxième bagage, c'est identifier quelques menaces qui gagnent sur la liberté publique dans le pays, en particulier la liberté d'expression, la liberté pour la presse fonctionner, et analyser les menaces, dégager des perspectives pour être capable d'atteindre les menaces capables de gagner sur le travail journalistique. Et mon troisième objectif, c'est dégager des perspectives de collaboration avec journalistes, les médias en général, sous question de l'homme pendant l'année 2014, non, mais jusqu'à 2018, dans le cadre de plan d'action, plateforme d'Ariane, et dans la question de l'homme, mais pour lui-même, il travaille plus avec de l'autre secteur de la société. Et j'aime dire déjà, le secteur presse, les médias, c'est un secteur privilégié pour nous capables de collaborer, pour nous faire une série de travail, pour nous faire sensibilisation, pour nous faire parole, de l'homme, il veut plus loin.